Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment cloner sur votre propre machine votre dépôt GitLab et je vais vous expliquer comment interagir avec Git lorsque vous utilisez Emacs. Première étape, vous allez dans GitLab et vous récupérez votre dépôt. Ici, vous avez l'URL qui identifie votre dépôt que vous copiez. Je peux ensuite aller dans un terminal et faire git clone mon répertoire. Une fois le répertoire récupéré, je vais pouvoir ouvrir Emacs et aller ouvrir les fichiers du MOOC qui sont ici. Par exemple, le module 2, exercice 1, et mettons le premier document, org mode, lequel nous vous proposons de travailler. Vous voyez qu'ici, il est pré-rempli. Avec tab, je peux plier, déplier et accéder aux différents résultats. Ici, et ici. Pour vous montrer comment interagir avec GitLab, je vais faire une modification extrêmement simple. Je vais mettre mon nom ici. Et je sauve. Pour commiter mes modifications, je vais maintenant repasser sur mon terminal, aller dans mon répertoire MOOC et faire un git status pour vérifier quelles modifications ont été apportées. Et je vais me rendre compte que, effectivement, le document de l'exercice 1 du module 2 a été modifié. Si je fais git diff, je vais pouvoir voir les différences. Je vais donc commiter le fichier qui a été modifié. Git va m'inviter à saisir un message de commit, par exemple mon premier commit. Alors, attention, si sur votre machine vous n'avez pas configuré d'éditeur particulier, il se peut que il lance le premier qu'il trouve. En l'occurrence, ici c'est VI, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc, il faut appuyer sur I pour insérer. Ensuite, Escape, WQ pour quitter. C'est pas extrêmement pratique. L'idéal, ou plus simple, c'est de mettre un message de commit ici, directement. Une fois mes modifications commitées en local, je vais propager mes modifications vers GitLab. Ainsi, git push. GitLab me demande alors mon login, mon identifiant. C'est celui qui est ici, Corinne. Je vais aller le récupérer. Le coller ici et rentrer mon mot de passe. Ça y est, c'est fait. Si vous avez suivi les instructions que j'ai données sur la configuration de Git, GitLab, normalement, Git se souvient maintenant de votre identifiant et de votre mot de passe, et la prochaine fois que vous faites Git push, normalement, il ne vous les redemande pas. Notez qu'il est parfaitement possible de faire toutes ces modifications, toutes ces interactions avec Git, non pas en passant par le terminal, mais directement via Emacs si vous avez installé quelque chose qui s'appelle Magit. Encore une fois, ceci est expliqué dans les ressources complémentaires ici. À la fin, vous verrez les questions de Magit. Si je retourne sur mon Emacs et que j'essaye une autre modification, et je sauve, si vous avez installé la configuration que je vous ai proposée et que Magit est installé, lorsque vous allez faire CTRL-X, G, Magit va se lancer. Et vous voyez, si j'appuie sur Tab, je vais pouvoir voir les modifications qui ont été effectuées. J'ai supprimé cette ligne, rajouté celle-là. En appuyant sur C, il va me proposer de faire un commit. Si je réappuie sur C, il va m'indiquer que j'ai oublié d'indiquer ce que je souhaitais commiter. Est-ce que je souhaite commiter toutes les modifications? Si je n'ai que celle-là, donc je vais dire oui. Quel message de commit est-ce que je souhaite indiquer mon second commit? Lorsque j'ai fini, je vais faire CTRL-C, CTRL-C. Et ça y est, le commit est effectué en local. Je vois ici apparaître mon commit. Si je souhaite le propager, je vais appuyer sur P majuscule pour push. Il va me demander alors si je souhaite effectivement ici faire petit p pour faire un push.
vers GitLab, petit p, entrée, et ça y est. Donc là, j'ai fait mon commit via Emacs sans avoir à passer par le terminal. La différence peut ne pas paraître énorme, mais les fonctionnalités de Magit sont assez impressionnantes. Il est possible de committer petit bout de fichier par petit bout de fichier, ce qui permet de vraiment améliorer la lisibilité de votre historique. Pour vous débarrasser de Magit, vous allez revenir ici et ici enlever les autres fenêtres. Et voilà, vous êtes revenu dans un mode édition normal. Normalement, votre Emacs est bien configuré, ce qui fait que si vous souhaitez exporter ici org export, qui se fait aussi avec CTRL-C, CTRL-E, vous allez pouvoir choisir de faire du HTML en appuyant sur H, puis de générer le fichier et de l'ouvrir en appuyant sur O. Il va alors réexécuter chacun des morceaux de code. Donc il va demander où est-ce que vous souhaitez lancer R. Entrée, ici ça me paraît être un bon endroit. Il réexécute alors chacun des morceaux de code et ouvre le document dans un browser. Et voilà. Je retrouve ici un exemple très simple avec uniquement du R. Nous vous avons fourni un template pour faire du R et un template pour faire du Python. Je vous laisse donc découvrir tout cela. Ces templates sont également disponibles, si vous remontez un petit peu ici, vous allez à la racine du répertoire MookRR, dans le répertoire templates, vous retrouverez ces différents templates. Dans la plupart des exercices que nous vous proposons, nous avons déjà indiqué ce genre de fichiers, mais lorsque vous souhaiterez travailler en autonomie, vous pourrez parfaitement repartir de cela, ou réutiliser les vôtres. Un dernier point à propos du journal. Nous vous avons demandé, dans le cas de ce MOOC, de mettre en place un journal. Nous avons créé ici un répertoire journal dans lequel vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Avec Emacs MorgMod, je vous ai indiqué comment faire votre propre journal, sauf que il est stocké ici dans le répertoire org. L'idéal, selon moi, c'est d'avoir un répertoire bien identifié avec votre journal et que ce répertoire soit sous contrôle de version. Si jamais le positionnement de ce fichier journal.org dans ce répertoire ne vous satisfait pas, il est possible de changer ce répertoire par défaut. Pour ça, je vais rapidement vous montrer comment faire. Si je vais dans .emacs.init.l, vous vous souvenez, c'est le fichier que vous aviez récupéré tout à l'heure. Et je cherche org, le répertoire org. C'est ici, à cet endroit, que j'indique que le répertoire par défaut dans lequel je vais stocker mon journal, je vais le trouver ici aussi, doit être stocké dans le répertoire org. Donc si vous avez déjà un répertoire qui est sous contrôle de version et que vous souhaitez utiliser ce répertoire pour stocker votre propre journal, il vous suffit de modifier ici le chemin et de relancer Emacs. Donc voilà, je pense que vous savez à peu près tout. À vous de jouer maintenant.